Salut tout le monde, c'est PR Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de le playtest, une nouvelle vidéo test. Donc la dernière fois, les amis, nous avons fait le test de Miitopia. Voilà, c'est ça sur 3S. Et du coup, on va continuer avec la 3S. Alors là, je cherche mon stylet, voilà, au cas où si j'en ai besoin. Donc on va continuer avec la 3DS et notamment avec le Pikmin, le Hey Pikmin. Donc la démo, c'est parti. J'aurais mis du temps avant de me décider honnêtement à la faire cette démo parce que je sais pas pourquoi, mais le jeu ne m'attire pas des masses. Pourtant j'aime bien. Ah voilà, vous aurez besoin du pad circulaire et du stylet pour ce jeu, donc je m'en doutais. Je sais pas pourquoi, mais bien sûr les Pikmin j'adore. Honnêtement, j'ai fait le 1 et le 2, j'adore. Le 3 je l'ai pas fait parce que je l'ai pas encore eu. Et là du coup qu'il y a un Hey Pikmin sur 3S qui sort, un Pikmin qui sort, ça fait plaisir. Par contre, il est vachement différent des 3 opus, donc les 3 opus sont en 3D, ouais 3D, et là il va être en 2D justement avec la 3DS, donc du coup on va voir ce que ça donne ce Hey Pikmin. Donc c'est parti, après je vous dirai mon avis, hein. Donc ce jeu je ne sais pas si je vais l'acheter. Ah, celui-ci, pour jouer, ah d'accord, ah ok, c'est par niveau, non pas introduction et tutoriel, hein. On va faire un premier pas, c'est parti, hein. Zone A, premier pas, donc Pikmin, hein, c'est un jeu avec des Pikmin, c'est un jeu d'aventure. C'est pas de plateforme, c'est aventure. Un peu de collecte. Alors, comment ça marche? Ok, je bouge comme ça, je ne saute pas. Ouais. D'accord. Donc là on a les Pikmin, donc les Pikmin c'est ça, hein, c'est ces espèces de bestioles, donc de plantes, voilà, c'est des plantes. Donc là c'est des rouges parce qu'il y en a des différents bien entendu. Hein. Ouais, ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air pas mal, ça a l'air sympathique. Par contre, ah voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est parce que j'ai zoomé, donc je vais éviter de zoomer quand même. J'ai un peu de mal avec la 3S XL, je vous cache pas, pour niveau tournage. Ah. Soyez prudent, Capitaine, l'une des créatures indigènes de cette planète est tout près et semble affamée. Donc ça, lancez les Pikmin sur elle pour l'arrêter avant qu'elle ne se rapproche de trop. Donc là, ça c'est les bestioles. Je sais plus comment ils s'appellent, ils ont un nom bien particulier. Ah, ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, bah franchement, il a l'air plutôt cool, hein. Par contre, jouer avec le stylet, je sais pas. Tac. Donc là, le but, c'est de récupérer des Pikmin pour qu'après, en avoir beaucoup. Et ensuite, voilà, récupérer justement des objets comme ça. Capitaine, je détecte une quantité considérable de lumium provenant de cet objet. Lancer les Pikmin, voilà. Donc en gros, ces objets-là, c'est soit des objets à collecter ou soit des objets qu'on a besoin. Enfin, dans ce jeu-là, c'est du lignium pour je ne sais pas trop quoi, pour notre vaisseau, il me semble. Donc il faut un nombre de Pikmin précis. Et après, voilà, on le récupère. Et du coup, ça vaut 6 lumion. Ah, 100 lumion, pardon, excusez-moi. Attendez un instant, Capitaine. Cet objet comptait 100 lumium. Nous devrions continuer à chercher ce genre de trésor. Donc voilà, en gros, on doit trouver des trésors. Donc honnêtement, les Pikmin, honnêtement, c'est une série que j'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est une série vraiment, vraiment pas mal. Que je vous ai encore jamais fait en let's play, parce que le problème c'est que les deux Pikmin sur GameCube, eh ben, je ne peux pas filmer la GameCube pour l'instant. Je pourrais re-la filmer avec ma caméra plus tard. Et du coup ce Hey Pikmin, j'aimerais beaucoup le faire. Ah par contre, oui parfait. J'aimerais beaucoup le faire, mais le problème c'est que je pense que ça va être un peu problème niveau argent, les amis. Je pense que je n'aurai pas assez d'argent. Donc du coup on verra ça au mois d'août, mais je pense que je vais zapper ce rendez-vous, malheureusement. Par contre, là... Ah, oui! Ah, excellent! C'est vrai que j'avais pas vu. C'est vrai que l'écran du haut compte. Ce qui est assez rare dans un jeu, parce que souvent, seul un des deux écrans compte, généralement sur du haut. Généralement. Et là, les deux écrans comptent, donc c'est assez spécial. C'est assez spécial, mais pourquoi pas.
Et bon, graphiquement, franchement, il est beau. Il est pas mal. Une pelle, est-ce que c'est un objet? Oula! Aïe. Ah non, c'est pas un objet, d'accord, c'est pour faire un pont. Ok. Ah d'accord, c'est un objet pour le faire tomber. Ok. Ok, plutôt sympa. Tiens, tiens, bim, voilà. Alors honnêtement, après, je sais pas si c'est dans le jeu, mais pour avoir mon expérience de jeu Pikmin hein, avec celui sur GameCube, après, il y a des monstres vraiment très très chauds à battre. Vous voyez ce trou-là? Je pense que vous pouvez l'atteindre avec votre propulseur. Ah. Mais les Pikmin ne pourront pas vous suivre. Gardez cela à l'esprit. Ah, d'accord. Ah ok, d'accord. Ok, je croyais que je pouvais entrer dans le trou, mais non. Ok. Pas de problème. Donc quoi, ouais, je disais graphiquement, honnêtement, il est beau. Il est pas mal. Alors par contre, ces bestioles-là, il faut faire gaffe parce que ça, bon, ça passe parce que c'est le premier. Mais après, ça passera plus parce qu'il y en a, ils arrivent à les gober. Ah, je vous dis, c'est vraiment des piranhas, ces monstres. Enfin, si c'est comme dans les opus GameCube, ouais, c'est vraiment des piranhas. Donc là, après, on en a vraiment masse. Je sais pas s'il y a une durée limite. Je sais pas si on doit en avoir. On pourra pas en avoir plus, par exemple. Parce que je sais que. Ah, là, il me dit combien il m'en faut. Parce que je sais que dans Pikmin 1 et 2, je crois qu'on pouvait en prendre que 50, il me semble. Enfin, c'était déjà bien, hein, 50. 50 Pikmin au total durant l'expérience, durant l'expédition de la journée, parce que ça se déroule en jour. Je sais pas si dans la 3S ça se fait aussi en jour. Désolé, je me suis vraiment pas trop renseigné sur cet opus 3DS, les amis. Mais je vous dis vraiment la comparaison avec la version GameCube à la 3S. Voilà, c'est vraiment ça le plus intéressant, je pense. Donc là, deuxième objet, une carte mémoire, je pense. Enfin, c'est dommage qu'ils disent pas le nom. Ah oui, voilà. Sculpteur devant. D'accord. 400 Limnium. Ok. Donc là, on peut avoir que les rouges, hein, mais après, bien entendu, après, on a d'autres Pikmin, donc notamment le bleu, le jaune, le blanc, le rose pour la PS3, non, pour la Wii U, pardon. N'importe quoi. Le blanc et le violet. Par contre, le blanc et le violet sont assez rares. Ah, par contre, il n'y en a pas un qui va respawner à chaque fois, j'espère. Ben si, il y en a un qui va respawner à chaque fois. Il n'y a pas de problème. Ah, ça c'est le vaisseau, non? C'est la fin du stage? C'est la fin du stage, je crois. D'accord, bah c'est bien sympathique. Donc là, en fait, au final, c'est pas en forme de jour, c'est en forme de stage. Voilà, bon, c'est un Pikmin assez différent des autres, hein, on va pas se le cacher, honnêtement, il est très différent du 1, du 2 et du 3. Bon, je pense que je vais préférer quand même le 1, le 2, le 3. Je pense. Merci d'avoir joué. Donc, je pense qu'il est mieux. Alors, par contre, ça fait combien de temps? Ça fait 8 minutes. Quitter la démo pour que ça échappe. Non, 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 non. Ça va aller. Ouais, je pense qu'il est mieux quand même. Ce Pikmin est mieux en. Alors, on va essayer mine cristalline. Pourquoi la mine cristalline? Je ne sais pas. À mon avis, pour avoir les autres Pikmin, justement, que je vais vous présenter. Hein. Le bleu et le jaune, notamment. Mais aussi, on peut avoir le volant, donc le rose. Et le roc aussi, le noir. Ah, je vous dis, il y a plein de sortes de Pikmin depuis le 3. Enfin, ça s'est accéléré avec le 2 et avec le 3, ça a encore fait des nouveaux. Donc, du coup, c'est pas dégueu. Oups. Alors, du Pikmin rouge. Alors, ça, on peut casser hein, les blocs de sable. Enfin, je sais même pas si c'est du sable. C'est de la paille, peut-être, non? Je sais pas. Mais ouais, le jeu Pikmin, c'est vachement bien. Après, celui-là est assez différent des autres, hein, je vous le cache pas. Non, par contre, il y a un truc en bas là. Je vais essayer d'y aller. Voilà. Bon. Ah, je sais pas où je vais là. What the fuck? Oh! Alors là, voilà ce dont je vous parlais. Est-ce qu'ils vont le casser? Eh, ils vont le casser. Donc les Pikmin Rock, alors eux, c'est ceux-là qui font le plus mal. Ah, des Pikmin Rock, ils sont si forts qu'ils peuvent briser des objets résistants comme le cristal. Honnêtement, si quelque chose bloque votre chemin, appelez un Pikmin Rock pour qu'il dégage le passage. Honnêtement, eux, pour éliminer des ennemis, par exemple, ils sont pétés.
Ils sont pétés, honnêtement. Parce que... Ouais, ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Voilà. Attaque! Tiens. Ouais, sinon, ouais, franchement, il est très sympa. Alors, par contre, mes Picune Rock. Ah, c'est vrai, je peux passer. Je peux changer, ok. Ah, ça, c'est bien. C'est plutôt bien foutu, honnêtement. Bon, après, le jeu, honnêtement, est très bien foutu. On va pas se mentir. Il est plutôt bien foutu. Ah. Eh ouais, si, je peux rentrer dans les grottes. Donc, je pouvais rentrer dans les grottes. D'accord. Bon à savoir. Ça va, c'est qu'ils sont insensibles, les Pikmin Rock. Eux, mais je suis sûr que je balance un Pikmin rouge, il meurt. So, oui, les Pikmin peuvent mourir. Ah, par contre... Ah, des Pikmin Rock, ok. J'aurais bien voulu d'autres sortes, mais je crois pas qu'on aura d'autres sortes. Donc, des Pikmin Rock. Hein. Pikmin qui sont apparus dans Pikmin 3, justement. Et honnêtement, contre des monstres, ils font très très mal. Franchement, ils faisaient très très mal dans Pikmin 3. Je pense qu'ils vont faire encore très très mal dans Hey Pikmin. Mais honnêtement, je m'y attendais pas à avoir un Pikmin sur 3S. Ah, ça fait plaisir honnêtement, parce que moi je suis un peu fan de la série Pikmin, j'aime pas mal, j'aime vraiment bien. Même si je vous en ai fait aucun let's play, les amis, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Je le sais bien, mais je crois que malheureusement, ouais, je passerai ce jeu, malheureusement, mais c'est pas grave. Hein. Je m'attraperai sur le 4, parce que le 4 arrivera sur Switch un jour, hein, on y croit. Alors par contre là, les Pikmin Rock, le seul souci des Pikmin Rock, ah ça marche même pas, d'accord. Bon, il va falloir passer à côté. Seul souci des Pikmin Rock, c'est que... Alors, je sais pas s'ils ont le même truc que sur Wii U. Je me réfère sur Wii U, bien sûr. C'est que quand vous les lancez, ils vont en haut. Bah, j'ai l'impression qu'ils vont à la même hauteur. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je crois que je vais pas réussir à l'avoir. Je crois qu'il me faudrait les plus légers, parce qu'il y a des Pikmin plus légers. Enfin, normalement, si on suit le code des anciens Pikmin... Tiens, donc vous voyez comment la vie, comment sa vie se diminue largement plus vite avec les Pikmin Rock. Hein. C'est, je vous le dis, les Pikmin Rock font beaucoup plus mal. Après, je sais pas trop à quel point, peut-être le double, je sais pas. Mais ils font beaucoup plus mal, ça c'est sûr. Bon, est-ce qu'on va avoir d'autres sortes de Pikmin? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, on va voir. Hein. Ah, d'abord une grotte. Voyons voir. Petite grotte. Ok. Ah d'accord, il fallait deux Pikmin Rock. Enfin non, c'est plutôt deux Pikmin Rock qui sont ajoutés avec moi. Alors tout rouge, capitaine. Et ce n'est pas juste une façon de parler. Ah, qu'est-ce que c'est? Comme vous pouvez le voir, l'icône du nombre de Pikmin dans l'équipe devient rouge. Cela veut dire que des Pikmin... se sont égarés. Oh, retrouvons-les rapidement avant qu'il ne leur arrive malheur. Allons-y. Ah, effectivement, c'est embêtant. Mais ils vont devoir faire sans. Ah, putain. Est-ce qu'ils vont y arriver? What the fuck? Je peux pas les tuer, eux? Ah, j'ai peut-être compris. Non, c'est pas bon.
Je croyais qu'il fallait appuyer au bon moment, mais bon, tant pis. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What? Ils sont buggés, c'est pas possible. Ah bah d'accord. Ah bah il fallait juste que j'y va. J'y vais, ok. Bon. Et merde. Bon, j'ai perdu mes Pikmin rouges, tant pis. Seuls les rocs ont survécu. Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis, ça fera que je suis Pikmin. Alors voyons voir. Je pense qu'on a un bonus à mon avis hein, si on finit avec tous les Pikmin. Ah, les niveaux sont plutôt longs. Hein. Tac, 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 tac. Allez, on récupère tout. Hop, voilà, parfait. Voilà. Bizarre, les rochers, c'est juste pour du décor. J'ai un peu du mal à y croire, mais bon. J'ai un peu du mal à y croire à la blague. Mais après, s'ils le disent, hein. Ah, et voilà, la fin du niveau. Ah, du coup, pour la pile que je n'ai pas prise, peut-être que... Non, bah, j'aurais pas pu monter. Ah, quoi? Ah, si, peut-être. Peut-être que j'aurais pu monter. Ah. Bon, bah, au moins, c'est à savoir. Si on est proche d'un objet, il faut se mettre à côté. Non comme avant avec les Pikmin qui devaient les transporter. Parce qu'en fait, si vous voulez, les amis, j'ai le vieux réflexe que dans les Pikmin 1 et 2, justement, même le 3, vous devez prendre les Pikmin, vous devez les balancer sur l'objet... L'objet est transporté jusque dans le vaisseau. Donc du coup, c'est pas vous qui devez l'avoir, en fait. Donc bon, voilà, c'est juste un vieux réflexe, mais après, voilà. C'est à s'y habituer, hein. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette démo Pikmin. Ah, je suis content de la refilmer, au moins, parce que honnêtement, je sais pas, j'avais une sorte de flemme de pas la filmer. Mais voilà, bon, une démo, voilà, un jeu... qui a l'air honnêtement de faire plaisir, qui peut être sympa ce High Pikmin, hein. Surtout en l'aspect, il peut être cool, voilà, c'est sympa. C'est pas le meilleur jeu de la 3DS, on va pas se le mentir, mais il peut être un jeu bien sympathique à emmener n'importe où, hein, mais franchement, ouais. Il peut être très sympa, bon, est-ce que je me l'achèterai? Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, si je me l'achète, c'est pas Day One, ça c'est sûr, c'est pas Day One, parce que je n'aurai pas assez d'argent, donc peut-être en août on verra bien hein. mais voilà, en tout cas un jeu qui fait bien plaisir, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo test. Alors le Ever Oasis, je crois que je ne vais pas le faire les amis, malheureusement je ne vais pas le faire, donc le prochain épisode, ouais, bah pourquoi pas un jeu que j'ai dans ma collection hein, au lieu des démos, donc pourquoi pas, mais voilà. En tout cas, deux mots bien sympathiques. Donc je vous conseille de l'acheter hein, si vous avez une 3S, si vous voulez un bon jeu sur 3S. Pour cet été, High Pikmin fait largement l'affaire. Allez, merci à regarder. Bye tout le monde.